Maliyɛnw aw salamu alekum tuguni n bi aw fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw bi ouverture media de bɔlɔlɔw sanfɛ tuguni nin waati in na an ka chaîne YouTube n'an ka page Facebook kan an y'a fɔ kɔsani na k'a fɔ n ko an bɛna segin tuguni ni ka se ka masala ka kuma an ka Mali président kɔrɔ ni o ye le général Musa Traoré. Ala ye Musa Traoré maliyɛnw ka ka kalifa minɛ a la bi an b'a fɔ an kelen-kelenna bɛɛ Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma Ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ kelen-kelenna ma. K'a fɔ an b'i tarata dunya la septembre kalo tile 15 bi ye san 2020 maliyɛnw bi fana kɛra don dɔ ye jamanaden bɛɛ dusukun kamikamilen don bi ka sababu kɛ Musa Traoré ka saya ko caman dɛmɛna maliyɛnw k'a yira k'a fɔ ouverture media la anw ka wulikajɔ ani an ka laɲini ani an ka kokɛtaw o ye kunnafoni ɲinini ye ka di aw ma ko o ko bɛ yen k'a kan ka ye o kɔnɔ. Sɔgɔmada in na n bɔra n y'a annoncé k'a yira k'a fɔ n ko an ka jamana président kɔrɔ n'o ye Musa Traoré ye n ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la. N ko kuma in kɔnɔ n ko tile tɔ kɔnɔ n k'an bɛna bɔ ka fɛn caman fɔ aw ye joli ye Musa Traoré yɛrɛ a ye mun ni mun kɛ a ka ko tɛmɛnenw ye mun ye yanni a ka fatu fana mun ni mun kɛra nin waati ninnu kɔnɔ an da bɛna se ka se minnu ma k'olu walawala aw ye. Video in a y'a partagé sabula nafa ka bon kosɛbɛ n ɲɛ bɛ ka weleli bila Yusuf Mangala de ma ni ale ye ouverture media yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye analyse dɔw fana a bɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka se ka taa ko caman ɲɛɲini donc ka se ka walawala jamanadenw ye. Donc Musa Traoré an y'o de fɔ a ka jamana mara a y'o kɛ san 23 jamana in kɔnɔna na o ma dogo mɔgɔ si la. Musa Traoré fanga minɛna Modibo Keita de la. Modibo Keita de tun ye an ka jamana président fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye 1960 a yira k'a fɔ Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka fara jamana fɛn bɛɛ k'olu ka surun an na olu bɛɛ y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. O hukumu kɔnɔna na Modibo Keita de kɛra an ka jamana président fɔlɔ ye. O waati la usine caman bɛ yen minnu dayɛlɛla Mali kɔnɔ fɛn caman bɛ yen minnu dayɛlɛla Mali kɔnɔ nka Mali tun tɛ bɛjɛ fangaw kɔnɔna na a waati. O y'a sɔrɔla parti ko an tun tɛ olu dɔn. O hukumu kɔnɔ an nana ye k'a fɔ san 8 kɔfɛ a ma kɛ an tilela nka an ka wulikajɔw ani an fa minnu ani an mɔkɛ minnu bɛ yen olu ye minnu fɔ an ye olu ko k'a waati y'a sɔrɔla jamanadenw tun bɛ jɔ kow la kare kɔnɔnaw la bɛɛ tun bɛ jɔ sumaw la a tun n'a fɔ i b'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan maliyɛnw. O hukumu kɔnɔ ko wulikajɔ de nana kɛ mun b'a to ka se ka Modibo Keita k'ale bɔ fanga la. General Musa Traoré ale n'a ka cɛdenw militaire maa 14 olu sera ka Modibo bɔ fanga la o kɛra 1968 waati. Ɔ Musa kɔni ye fanga kɔni ta fo ka se san 23 ma a y'o kɛ Mali kɔnɔ. Ɔ mun ɲɛna bolo ani mun ma ɲɛ bolo fo ka se 26 mars fana o ma dogo mɔgɔ la a bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ yani martyr maa minnu tora 26 mars kɔnɔ olu ka wulikajɔ tun ye bɛjɛ fanga bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogo min na. O waati gɛlɛya caman nana Mali kɔnɔ degun caman nana Mali kɔnɔ a waati fo ka kɛ Musa yɛrɛ Musa Traoré yɛrɛ a sera ka fanga bila cogo min na. Ɔ Yusuf Mangara ale de bɛ n bolokɔrɔ bi ale de daminɛ soma k'o walawala Musa Traoré yɛrɛ jɔnni don a bɔra min a ye mun ni mun kɛ Mali kɔnɔna na a ye mun ɲɛ Mali ye gɛlɛya jumɛn fana nana a ka mara fana kɔnɔna na Maliko la. Yusuf Mangara bɛ n bolokɔrɔ bi Yusuf salamalekum. Walekum salam cɔ. Kɔri baasi t'i la? Alhamdulilayi. Maliyɛnw ɲɛ b'an na bi tari folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma. Bon folikan min bɛ n bolo o ye waleɲuman dɔn de ye ka an ka auditeurs bɛɛ fo ani auditrices Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kosɛbɛ. Ka f'u ɲɛna ko n'i y'a ye an bɛ kɛnɛ in kan dɔwɛrɛ tɛ c'est pour que k'u kunnafoni an ka wulikajɔw k'olu sabati kosɛbɛ walasa kunnafoni sanuma an ka se ka taa ta sun kɔrɔ kosɛbɛ ka na ka d'u ma. N ka foli bɛ i yɛrɛ ye i ni ka équipe mɔgɔw bɛ ouverture media tɔndenw bɛ ani an baarakɛ ɲɔgɔn kosɛbɛ associé chef Jan Jan. D'accord donc Mangara rapidement bi don général Musa Traoré ka ko kɔnɔ ala kɔni y'a ka kalifa minɛ a la bi ka si to san 80 ani san 70 ko ne kun ye tile wɛrɛ ko san 80 ani san 40 nka n y'a ye k'a fɔ komi il est né le 25 septembre 1936 on va dafa fɔlɔ aujourd'hui c'est le 15. Donc on est comme là, je pensais que même aujourd'hui était le ça dit comme là deux là un non là. Moi tu connais bro, tu es erreur bele bele bay. Voilà. Voilà au lieu toi ou chatte ou quoi. Kosobe. Sinon on bro ni sans erreur mana. A erreur mana donc ça biche gagne ni nani. Donc c'est pas parce que clé d'amour on marché. À la barga là. Ma vous Moussa et chi sur à la comme c'est gars chi dans ma gâte mais bête. Oui chi. Amé do gala chi ni kena dans bela jirema. Pour moi il y a eu 84 ans, mais bon, pour moi, ce n'est pas important, on ne va pas polémiquer sur ça. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, mais Ebi Mundo, Moussa Kakouka, c'est-à-dire qu'il y a une génétique qui est venue. Le Mali est à la boule de Sramou, qui est bien noté. Il y a des gens qui ont été venus, qui ont été venus, qui ok, Tchorno, merci pour ton invitation. Chaud que le nous, à 23h, là, pour moi, à 1h du matin, sur le Français, à Dieu, Djamana, Djamana. Mais Tachi Black est fort. Musa Traoré ni o ye an ka président kɔrɔ ye général Musa Traoré n'u b'a fɔ a ma ko GMT
mais tâche blague quand donc à part à la finale c'est la chose là qui est quand on lui a si présenté à des nations mais là nous a travaillé quelque chose dans la famille là voilà la finale là quand on se marie bien voilà il est né quand on t'a beaucoup bon nous a travaillé. Comme tu l'as dit, il est né le 25 septembre 1936 à Kayes. Kayes, il n'est pas le seul président malien qui vient de la région de Kayes. Non. Alpha Fné, Kayes, Kayes. Alpha Marcoura. Alpha Marcoura, Kayes, Kado. Et Mouro Keita, allez, région. Allez, Mouro. Kiri, enfin, il m'a attaqué Kira Yoroka, la dernière fois, Nara, enfin. Mouro Keita, la famille. Donc, Moussa Traoré, Moufa. C'était un ancien soldat de l'armée française. Parce qu'il faut qu'on a fait nos faux pour que Mouro Moufamia. Avant 1960, Mouro Mouro, il peut engager armée là. Il peut me considérer, il n'a pas engagé armée là. Armée française. Parce que le Mali était une colonie française à l'époque. Afrique occidentale, française. Mali, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina, Djamana, Djamana, Moula. Donc Moussa Traoré, il est femme du sorcier. Quelle est Ouda Touba Fougoul, sa voie était bien tracée. C'est-à-dire qu'à Kaké, sorcier, Amad Mali Moukachamana. Vu que son papa était militaire, donc il a voulu suivre les traces de son père. Son papa. Nimeke Kourou Bussoir, il fait un chamama. Je le précise, je ne suis pas historien, je suis juriste de formation, mais comme Yéni Nikadani, je recherche Ouké, donc Ouda Touba Mbouran, il fait un chamama. Donc nous avons travaillé à la formation, sorcier à la formation d'Amené, à Ouké Kati. Ou ma faux, quand il est militaire de ma faux forêt, ou enfant de troupes. Enfant de troupes. Enfant de troupes. Mais alors, il y a un britannique militaire. Il y a un britannique militaire. Donc, Moussa Traoré, qui est à la formation militaire d'Amné, you know, il s'est engagé dans l'armée française en 1954. Parce qu'il n'a pas fait du coup. Avant 1960, Mouron est engagé armée là. Il faut qu'il est engagé armée française. On ne parlait pas d'armée malienne à l'époque. Ou à son indépendance. Indépendance, non, la République du Mali n'existait même pas. Donc au coffre, et bien à quel intérêt? C'est l'occasion pour nous, en Afoukafoko, en plus de Moussa Traoré, Moussa Traoré, compagnon Europe, il en faut Kisima Doukara. Kisima Nou. Voilà, Kisima Nou, il y a un ministre de la Sécurité, il y a un service de sécurité, il y a un service de renseignement directeur. Il y a un service de engager enfants de troupes là, Kati, you know, à l'époque. Parce qu'il y a plus d'années vers les années 80. Bon, Moussa Nou, il y a un service depuis les années 50. Les années 40. Yeah, famille. Donc, au coffre, Mali a gagné pendant cette année, sans bâcler, année qui m'a encore en 1960. Bon, 1960, là, au Kera Sanyé, Moussa Traoré Dakar, Samoun. Attrape France, pardon. Après, l'enfant, les enfants des troupes à Kati, Moussa Traoré Dakara, France, qui a la formation guerre. A la formation guerre, Yoramouna, ou à Fumako, l'école de Fréjus. Parce l'école de Fréjus. Voilà, Fréjus et France, c'est ville l'Oré. Donc, 1960, Moussa Traoré Tarakatara, formation militaire trop d'affaires. Donc, aïe, sans quel est l'école là? De 1960 à 1961. Donc, indépendance qu'on fait juste à Tarara, une année après, il est revenu au Mali. Donc, quand il est revenu au Mali, il avait couronné, ou bien sa formation était parachevée par un brevet de parachutiste, un brevet de parasol en allée. En plus de ça, a spécialisé administration. Administration est géré trop. Il est spécialisé là. Et puis en même temps, il a mention. Parce qu'il y a un niveau de formation, il y a un instructeur ou bien il noté. Donc Moussa Traoré a eu une mention particulière de ses instructeurs parce que c'était un très bon militaire, il avait un très bon niveau. Quand il est revenu au Mali en 1961. Donc, Tchorno, c'était à l'époque quand il est venu, Moussa Traoré avait 24 ans. 24 ans. 100 mois en Inde. Et voilà, au nous avons sur la salle, il y a officier Jona et Ascension Kateli. Voilà, exactement. Donc le Mali venait juste d'avoir son indépendance. Et bien, sur la salle, nous avons un capitaine, ou le dos, le commandant, ou le dos, le colonel, ou le diamant, ou le sur la salle, d'amener, car sur Ali Mali, il y a une indépendance. Là, Moussa Traoré, il est rentré dans l'armée en 1954. Donc, on va sur général, nous n'y faisons pas de loup, mais sans faire consommer. Donc, il y avait beaucoup de jeunes officiers, ni le commandant ou le lieutenant colonel. C'était une fierté, parce que Bébou Dos à l'époque. Donc, Moussa Traoré était un jeune lieutenant. Et à son retour, il y a Emia Directeur. Emia Mflené, plus gros. Et l'Emia était à Kati. Parce que quand
le fait que Katika est Mali garnison bas de 3e région militaire, puis côté En même temps, l'école militaire interarme, Mali officiel de former Yoromna, au fait de Katika. On est donc, nous avons des politiques pourquoi mesdames, c'est hyper important. Parce que c'est là-bas que Moussa Traoré va faire la connaissance de beaucoup de jeunes officiers à l'époque qui vont l'aider à faire le coup d'État contre le pays. Je Parce que officier on devait former, you know. Arrête quand tu directeur là, officier doit former là quand tu, you know. En même temps, d'où tu es instructeur, instructeur qu'on te devrait, mamounbe élève officier au cas. Ni tara émia là, si tu es élève officier, parce que c'est 3 ans actuellement. Bon, à l'époque je ne savais pas combien d'années c'était. Première année, deuxième année, troisième année. Autant qu'on a là, lieutenant, un sous-lieutenant, vous le voyez au cas. Donc vous pouvez instructeur. Donc nous attendons les ni. Chaboro bagayoko nunu ani kisima dukara ani karim damele nunu chama yinyoko nunu orala. Donc il était très apprécié. Je continue et Moussa Traoré représentait le modèle de soldat à l'époque, le modèle militaire. Il était envié par ses camarades parce qu'il avait un physique de sportif kuno. Il a fait un fait tournant à fatuné sorancier dans l'armée française. Moussa Traoré était à la formation qui est française. Fréjus, il est revenu vers la Emia direction Niamey. Donc, quelque part, il avait un caractère trempé. Donc, il se faisait remarquer. Donc, après, nous avons quelque part considération tout bas. C'est-à-dire qu'il y a un colloque, il était imposant. Voilà, donc on continue. Et Mourou Keta a mené un coup d'État. Parce que le coup d'État est en 1968. Donc, on a vu que, à l'époque, lorsque Mourou Keta était au pouvoir, vraiment, c'est un président qui était très proche des jeunes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque indépendance, le Mali s'était tourné vers le modèle socialiste. Modèle socialiste, c'est-à-dire entre les nos soviétiques. À l'époque, l'Union soviétique. Nos gravités, c'est ça. Donc, Mali, le système socialiste, on disait qu'il y avait la juste répartition des biens entre les populations. Moi, il faut que à l'époque. Mais en tout cas, donc, Moro Ketani, Soro Bayan, Kouadé, Amadou Djiboro, nous avons idéalé. Où tu me fais des Maliens charmants, c'est là, fin soro, mais presque bega quel niveau qu'il est là. Capitalisme, en commando, au confort. Capitalisme corrompu, ça c'est le profit. Car baraque, il y a souhaité créer, ça dit que ça c'est mettre en valeur le secteur privé. Quelque part, commerçant, on veut profit, mais Moro Keta, il s'est tourné vers le bloc socialiste, vers l'Union soviétique, de voilà tout Mali, le système socialiste. D'accord. Donc, amené à 1964, 4 ans après l'indépendance, quand à 64, la table de 68, là, le Mali a traversé une grave crise économique, genre à l'époque. Hein? Donc, crise, mais non. Parce que, ils unifient, mais non. Mais la conjoncture à l'époque a fait que on était confronté à des graves problèmes. Parce que d'autres même les sociétés qu'on a à l'époque, comme on l'a appris, et ils enviaient les pays capitalistes. Il n'en faut qu'on y voir nous tourner au fait de Boaniga Ouattila, pour Nyeshi, Francima, Sénégal, avec Léopold Sédar Senghor. Mais on commence à richesser. Ils font des profits, ou le commerce, ce n'était pas des systèmes socialistes. Donc, les gens ont commencé. Il a commencé à avoir des remous et puis il y avait une milice en place. Milice, il y a une brigade de merci. Il y a un mot qui est dans la boîte. Il y a un enfant qui est dans la boîte. Il y a un enfant qui est là. Il y a un enfant qui est là. Il y a un enfant qui est là. À partir de 20h, il y a un acte de mariage. Il y a un enfant qui est là. Il y a un enfant qui est là. Ah oui. Il y a un enfant qui est là. Il y a un enfant qui est là. Peut-être qu'un Malien est là. C'était sa conception des choses. Bon, on pouvait peut-être comparer ça à une dictature. Donc, il nous a dit qu'il y a quelqu'un. Bon, il dit qu'il y a quelqu'un. Ali Doromso.
Bonny Domsour, peut-être n'a pas eu le Voilà, donc on continue. Donc à l'époque, tellement de problèmes dans la Djouéa, qu'est-ce que Mourougueta il a fait? Il a dissous le bureau politique de l'USRDA. Parce qu'à l'époque, il y avait le monopartisme. Particulier le gouvernement. Il n'y avait pas de multipartisme. Donc USRDA, au bureau politique, il y a eu le monde qui a été à kuma ko meta fo yenode donc muro ke tay ko tisu non seulement awoke aka ministre damaro be no awu fene blaka bo parala parce que moko ko commencer ba muro ke na gouvernement accusé ka fo coup de corruption ke donc il y avait ça ligue seulement problème que même moko ko commencer ka fitner akoro ani kana ka fara problème de sécurité ou kan ani liberté individuelle ou retourner no consommer. C'est Mouro pense à l'époque que le Malien n'était pas encore bien éduqué, bien formé, et qu'il fallait passer par certaines méthodes pour égaliser la Djamara. Donc, le patriotisme n'est pas à ce niveau-là. Donc, les gens avaient un peu soif de liberté. Donc, là, on continuera au fait. Conseil national de défense de la Révolution. Il a voté Thomas Sankara Wati, Bourguina, révolution de Mouro. Donc, Mouro qui était se considérer comme un révolutionnaire. Il y avait un Conseil national de défense de la gauche, au CNDR. CNDR. Au Blaneno en place. C'est-à-dire qu'il y a une réprimande de donc le régime se durcissait, Farakmoura a commencé à galérer au fur et à mesure. Donc en février 1968, pour que Kaïsé ait une crise économique, qu'a boire qu'on a là, Mouro Keïta est Mali là, c'est une zone franc. C'est-à-dire en bon français, voilà. On a un grand franc malien. Un grand franc malien. Bon, il y a un officier, on va comment voler, jeunes officiers à l'époque. Moussa Traoré n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais faire une petite comparaison rapidement avec ce qui s'est passé sous l'Allemagne hitlérienne, à l'époque d'Hitler. Je suis très inspiré par la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et l'armée allemande, mais non. À côté de l'armée allemande, il y avait la Gestapo. Il y avait la SS, qui était commandée par Himmler, non Hitler, qui fait mourir. Donc, l'armée allemande, nana, qui plaignait au ratio de là, qu'il faut que non, que Hitler bega à Ereka. Et milices privées, ni ou SSI, qui ont favorisé quand même Djamana armée. Donc, je nous officiais mon même mal à l'époque, les Moussa Traoré et consorts, ou que Mara Foko, Mouro Ketabe, moyen dit, milicima, ara milicima, quand même Mali armée. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, compte tenu de ça, Anika Fara et Mali connaissent une situation économique, Anim Mouro Kmouda commencé à fitner, Mouro Kafara Kmouda commencé à djaka, durci. Donc, c'était des conditions qui étaient réunies. Officier Jeune Mounouflé ne vous profitera au là pour qu'il y ait un fin d'affaires. En 1968. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les officiers n'acceptaient plus l'évolution politique du pays. Donc, c'est-à-dire que Malik me gâte à tabou l'homme. Et en plus, ils ont refusé d'être moins bien traités que les milices qui ont été mises en place par le parti, l'USRDA. Les milices qui ont fait tout comme. Donc, l'option socialiste n'était plus l'opinion partagée par les Maliens. Donc, Moussa Traoré nous profitera au fait qu'il faut mettre fin au régime dictatorial de Mouro Keïta. C'était un grand auteur, à Gramouro qui était un ministre. Il livre Tchama, c'est sous l'orage. Voilà, un grand homme de culture. Allez, vous voyez à l'époque, Kumuro Keita n'a jamais eu de dérive dictatoriale. Kumuro Keita était dictateur. Kumuro Keita était dictateur. Et puis, Mouro Keïta, il était autocratique. Non, c'est faux. Parce que l'USRDA, bureau politique qu'on a dans le bureau politique de l'USRDA, Mouro Keïta a décision qu'on a mouillé. Serou Badian, Amadou Djougoron, c'est-à-dire que quand il mettait Mouro Keïta en minorité, il est dire un peu la vérité des choses. D'accord. Dans chaque chose, il y a des versions des faits. La délégation formée, comme Mouro frère Lop, mais le commissaire de l'organisation de commissaire, dans le commissaire de l'Europe. Il m'a fouillé que la famille ça. Est-ce qu'il n'est pas temps
il jeune frère ta il a qui ministre ko moro qui ta ko jamais de la vie ko de mon vivant aucun membre de l'âme de ma famille ne sera ministre donc avra vous quelque part ko officier jeune mon ko par la moro qui ta donc journaliste sur le bazar ko mais ko ebo mu fonda ke pour ta ko mal ko ça n'allait pas crise économique mais non officier jeune ko contenter de moro qui ta ko wa jamana parti ro mega commencer à soulever commerçant mega manganchi les gens n'étaient pas satisfaits de l'évolution politique du pays. Et voilà ce que je veux dire. Il y a un peu de temps. À l'époque, quand les officiers jeunes sont là, comme la fois, ils disent, vous savez, monsieur le ministre, que j'en ai marre d'être pauvre. Pour alors que vous sous le jour, quand les tonneaux sont là, nous faisons les jeunes officiers, mon boulot, mon boulot, mon belle vie là. Ah, tiens là. Donc, quand le boulot, que le fait que le Mali était entouré par quelques pays, quand même, qui avaient adopté le système capitaliste, que les gens ont dit, que les officiers sont là pour pouvoir. Donc c'est comme ça que le coup d'État a été perpétré le 19 novembre 1968. Donc 19 novembre 1968, il y a le Moro qui est à cassé Bamako parce qu'on peut pas le visiter là, morti. Admet pas trop sans faire. Moussa Traoré avait 14 jeunes officiers. Oui, Farata. Vous voulez la Farata? Vous avez un discours qui est Mali chaîne nationale là. Okay. Plutôt à Radio Nationale là. À Radio Nationale là, qu'est-ce que Moussa Traoré a dit? Que l'ère de la liberté a sonné, le régime dictatorial de Mourou Keïta et de ses valets a chuté. Donc Mourou a tout, donc l'ère de la liberté a sonné, que Mali a commencé à faire ça ensemble, que tout le monde sera libre. Il a fallu déjà nous parler. Donc, ni de kera ka kuma folo ya Radio Malika. Radio Malika. Coup d'état kele. Ay o Moussa Traoré. O wa soro muru mamene folo ya. Ah wa soro mamene. O wa soro muru me sara la kanadi. O ye ji de blama ka fo. Ah ko i teri dem sanu. Parce que soro bañare ko ko à l'époque ko gna fo muru ke da ko jeunes officiers be faka. Coup d'état kina. Ko muru ke ta ko me ko si c'est les jeunes officiers là. Ko il faut les laisser faire. Que je préfère laisser le pouvoir aux jeunes officiers qu'elle est vieux. Donc ça dit que vieux quoi une qu'elle est à madame les bébés mais on a pas la gavoko on a monté tu vois pas on a monté jeune là comment on peut avoir une jeune pour comment on a pu prendre ta gueule pour qu'on nous puisse Mali là avancer qu'il y a pas de problème qu'on lui est prêt à laisser le pouvoir. Ah tu te moques. Donc mais quand il y aura la même souligner Amadou Sina Yoko au mais Moussa Traoré Modou Boké ta garde qu'on a rapproché Alibi a parlé là ambi femme ou interpellé ou acquitté là parce qu'elle m'a découvert Alibi. Donc à l'heure où on a tout à boire pour le coup, depuis comment faut-il qu'à faire coup d'état ben à coup là, ben à coup non. Où est-ce que coup d'état consommera? Donc comme Mourou Bokoni, nous mettons à boire le capot. Nous mettons tout à quoi, tout à quoi. On nous met faire à boire, on nous y a rien ni. On nous met faire à tout à quoi, tout à quoi. Faut qu'on assiste ben à coup. Ngako, coup garde quoi, chacun a qu'est-ce. Allez tu fais un jour le bateau malien là. Allez coup d'état mais que Heran Bande qu'on a construit maman sala. Exactement. Voilà. Ok, tu vois, merci pour ces explications. Donc où quel est la série Kourou? Où t'as le Mourou qui est amené? Donc il y a foin là. Bon, on va te proposer quelque chose. Le système socialiste là que tu as adopté depuis l'indépendance, faut 6 ans. Il va falloir, il va falloir que tu aies un peu de temps. Monsieur le Président, vous êtes aux arrêts. Vous êtes aux arrêts. Donc, il faut que tu aies un peu de temps. Et qu'est-ce qui s'est passé, Tchorno? À l'époque, Moussa Traoré. Parce que moi, je pensais que c'est le système socialiste de Koukaï Mali. Mali, à l'époque. Ok. À l'époque. D'accord. En 1968. Donc Moussa Traoré, il a pris le pouvoir. Il était lieutenant. À l'époque, il avait 32 ans. Je me rappelle plus. C'était, il avait quel âge, mais il n'était pas très âgé. À une cinquantaine, peut-être. Je ne sais plus, je ne vais pas raconter des bêtises. Mais il n'était pas très âgé. Moussa Traoré, il a pris le pouvoir à quel âge? 32 ans. Alpha avait 40 et quelques. On est d'accord? Oui. Peut-être ATT avait peut-être 50 et quelques. Donc, c'est pas comme si ni Mouamoun n'a pas Mali Fangala. Peut-être Fangala Gara Djongou n'a pas président de la Tanaïchon. Lui, il était assez âgé. Il n'a pas fait un gâteau sans bureau, Nicolas. Le Mali a eu des présidents jeunes. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pour que l'histoire fasse un service. Mali a bloqué la Kafoko. La jeunesse n'est pas un critère absolu. Tu peux être jeune, mais incompétent. Mais quand tu es jeune et que tu es compétent, il n'y a pas de problème. Yikata. Donc, on ne doit pas faire de la jeunesse un critère. Donc, mettez-moi au grand. Quand Moussa Traoré est venu au pouvoir avec ses camarades, on peut citer Karim Dambélé, maintenant. On peut citer le capitaine
Capitaine Yoro Diakité, nous avec la Moussa Traoré, la Premier ministre. On peut citer Déby Sylla, Diarra. On peut citer le lieutenant Tchekoro Bagayogo, le lieutenant Kissimane Doukara, le lieutenant Karim Dembélé, où nous avons un tchama. Donc, on a les Moussa en fait. Il n'a pas besoin de faire quelque chose. Capitaine, vous pouvez commander mon nom, lieutenant Colonel Lou, ou Bebla retraité là. Quand vous avez d'abord Mali chez Chona, vous êtes Mali armé là. Donc, ils ont mis la hiérarchie militaire en retraite pour que vous passiez à Mali réformer gagner. D'accord. Donc, quand ils sont venus, Moussa Traoré, comité, à l'époque c'était le, si je ne me trompe pas, le CMLN, comité militaire pour la libération nationale. CMLN. Bon, il faut que moi, mon global, on va faire nos familles. Quand t'as 1968 là, faut à table 78 là, pratiquement 74, 78, il y avait une lutte de pouvoir au sein du CMLN. Lutte de pouvoir, il te devrait aider. Parce que CMLN qu'on a là, Moussa Traoré, il était influent. Allez, le Kouniama, non seulement il était respecté, mais afin de créer Moura Tchama, il y en a Joseph Maracité. Joseph Maracité. Moussa Marafa, lieutenant Joseph Maracité. Voilà, il y avait beaucoup d'officiers, de jeunes officiers, qui étaient influents au sein du CMLN. Donc, comme lutte de pouvoir, il y en a instauré au Nouantia, Moussa Traoré, depuis 1969, quelques mois après son arrivée au pouvoir, il y a le capitaine Déby Sylla Diarra. Oui, ni officier ni sous-officier bisabanisaba pour la bande des 33 Moussa Okoube fait quand d'angaré aller à Fangala et oui mon oui mais comment fait quand d'angaré à Fangala mais olou nga kala la foroa ou ya somnou fait ah so ah ouga som Okoube fait quand d'angaré à Fangala donc ñe capitaine yoro jacté mon fota 1971 si j'ai bonne mémoire Moussa est d'angaré au Fangala ka foko ko ko fait mais fait pour l'état qu'aller là ko aller à Fangala au grand 1971. Donc, à 68 là, faut à table là, pratiquement, mon année 78 fois. Les gens vont comprendre après. Ni exemple de l'armée éclairée. Ou à dire aussi là, Hitler est fait en armée là. Je ne compare pas Moussa Traoré à Hitler. Je ne le compare pas, mais. Voilà, mais l'exemple est dit. Mais l'exemple est dit à quand? En 1978, Moussa Traoré a fait une purge au sein du gouvernement et de l'armée malienne. Allez, Mali, commissaire, fin. Comme ça, purge quoi de l'ordre, ça dit que car nettoyer, ça dit que car beaucoup comme arrestation chamanga au ratide. Février 1978, Moussa arrestation gara chané chamba. 78. Vous croyez à quel est présent? Sans tant qu'offert. Parce qu'à la présent 78. Donc pour te dire que Moussa Traoré n'avait pas la même mise sur la totalité de l'armée malienne. Au sein du CMLN, il y avait des luttes de pouvoir. C'est-à-dire que Kélep Mouy est demandé à l'Union. Voilà, Pep me fera 100 ans. Donc, me fera 100 sur l'Obdava. Donc, où tu là, au Kélep Mouy ou l'Union. Donc, pour pouvoir asseoir son autorité, tu as fait un manon. Moussa Traoré, ils étaient jeunes à l'époque. Donc, il a fallu éliminer les rivaux un à un. Avec Damne, capitaine Diarra. Qu'on fait dans la Yoro, Diakte Nouna. Quand il y a là, faut en assez 78. Kana ki chongo chokoro bagayo ni okuye essayer traiter à l'époque service secret chokoro bagayo de Moussa Moussa Diawara Kissimane Doukara c'était le ministre de la défense de la sécurité et de l'intérieur il avait trois casquettes Karim Dembélé le ministre des transports des transports et des travaux publics mais capitaine je pense à l'époque je devais être lieutenant colonel mais où dégradé où est son la deuxième classe. Ah bon? Ah. Bon, Mali, commissaire, fait un peu de arrondissement, on a. Ou bien arrêté. Et comment? Comment faire un coup d'état avec Moussa Traoré? Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Parce que février 78, et là, il faut que Moussa Traoré là, et Mourou qui était là. 10 ans auparavant, de 64 à 68, il y avait un mécontentement populaire. Mourou, nous sommes déjà été. Ou liberté, Tchamambora là, comme Mali, mais crise économique là, ça n'allait pas. Aïwa. Donc tellement que c'était chaud au Mali, il y avait la crise économique, les gens étaient mécontents, Moussa Traoré était accusé à un gouvernement moro de détournement.
kafoku nana okoku na ka malion arishi kubena kana ka faga di malion ma kubena ka ese kana ni développement mali kona la. Mais 10 ans après on a constaté qu'il y a pas eu grand chose, il y a pas eu de changement. Donc pour redorer son blason au corote doré de pour que carré image soigne ka ese ka coupable ou soro, moi je n'ai pas les preuves à l'époque. C'est Moussa Traoré qui était au pouvoir. Si il l'a dit, en Akerefe Moro, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Parce que, Capitaine Soumalo, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a été condamné à 10 ans de prison. Il a été lui, il fait partie d'un des rares survivants. Soumalo est abonné, il faut qu'il y ait un livre. Il faut qu'il y ait un livre. Donc, Soumalo, quand il y a un Moussa, il faut qu'il y ait un livre. Pour bagarrer les macafou, pour mettre fin à l'état que Moussa l'a en 1978. Allez, n'importe quoi, parce qu'allez n'importe quoi, on cali. Donc, où allez-vous aller pour là? Allez, on tape. Allez, ma boîte, car ma voix, n'importe quoi, fait à l'état. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais c'est l'histoire qui le dira. On n'est pas historien, mais on essaie d'expliquer les faits parce que version gachala. Donc, quelque part, pour essayer de redorer son image, pour que comment nous mettons à l'attaque, malicono, à l'extérieur là, parce que Moussa il était un peu isolé sur la scène internationale. Il devait d'abord imposer son autorité au sein de l'armée malienne et du CMLN, le Comité militaire pour la libération nationale. Où le comité blanc en place, Mouro qui est à Ménénien Kofet. Donc, nous avons fait Ménénien d'Amnéna depuis 69, quand on a fait 78. Donc, 78, Mouro Mouro, qui peut être gênant pour Moussa Traoré, qui peut être Moussa Traoré gêné à la gestion du pouvoir là, qui peut être danger Moussa. Parce que tu vois, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Tchagoro, qui c'est moi, nous, 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 tellement que tu es parce que tu es sécurité d'État. Ah ouais, le ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Oh, il paraît que ni Tchaboro ni Kismaël Kumbora, que moto batigou ni mobile mounou betou, quoi le mounou betou mounou betou. Sirène ni femme. Ah, donc, on ne peut pas avoir trois chefs de l'État dans un État. Peut-être quelque part, Moussa Traoré a senti que son pouvoir était menacé. Il a voulu les éliminer. Donc, Ouroum, Tchama jugera. Ils étaient au nombre de 20, 30 ou 40. Maintenant, c'est la bétrocité. Donc, nous l'oublions. Donc, auquel est son nom, Moussa Traoré est rentré, le pouvoir de Moussa est rentré dans une autre forme à partir de 1978. 10 ans après la prise du pouvoir, nous, où est-ce qu'on a parlé, on est quand même pour notre année. Puis on l'a. Adonna Goulouere, mon nom. Adonna Goulouere, mon nom. Parce qu'il crise pour nous, pour nous, Mali Bato. Qu'est-ce que Moussa Traoré a fait? Tchorno, il faut que nous ayons une précision. D'accord. Mouro Keita, il est décédé en 1977, si je ne me trompe pas. 1977. Ça a donné Kassola, moi, tu mets ça dans ma douka. Voilà. 68-77, ça fait 9 ans. Voilà. Donc, Malé Ombora, Mouro Keita Salé. Katama, ils vont rendre hommage au premier président de la République du Mali, le père de l'indépendance du Mali. Tchoro Bagayogo. Qui était le directeur des services de sécurité à l'époque. Il a manifesté un maté très bien. Et tu dis, oui, oui. Est-ce que tu as bien une bête là? Ou pas de bête? Il paraît qu'il y a même eu des morts. Mm-hmm. Bon, donc, un an après, 77 au Kera, un an après, Moussa est négé à l'air. Il est négé à l'air. Il est négé à l'air. Quand ils sont quoi, ils racontent Foko. Comme Mouro Keita Sarani, tu vois, il a fait cela. Donc, allez, Mouro corrige. Allez, faire un ami de sanguiné quoi faire. Ah, qu'allez faire corriger. Ah, tu te moques. Tu en fais un manoule. Ah, manoule. Donc, vous menez Kakara ou la Katanu Tanguini. Donc, après ça, Moussa. Mais pourquoi Moussa a mené? Parce que à son moment, les frères Fédé. Bon, n'est-ce pas l'explication là? Si tu veux, je reviens un peu en arrière. C'est ce que je disais. Mon Ibe pouvoir cornal. Si tu n'as pas la même mise sur tout le monde, parce que nous, c'était des jeunes officiers à l'époque quand ils sont venus au pouvoir en 1968. Ou Tchamangoué, lieutenant-capitaine. D'accord. Youssouf Traoré. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au sein du CMLN, qui est le comité militaire. Pour la libération nationale. La libération nationale. Il y avait deux ailes. Elle courante de Warede, c'est-à-dire que Barachif, là, le comité qu'on a là. Moussa Traoré, Ani Filife, Ani Youssouf Traoré, Oukma Fourmako, branche. Branche modérée, c'est-à-dire qu'il n'était pas dur. Moi, ça a l'air qu'il n'était pas très dur. Mais la branche dure, où m'a foutu ma les faucons. Ou avant Moussa Traoré, ma les colombes. Il y a des colombes là, qu'on a djema mouna koumacha et qui symbolise la paix. Comme Moussa nous sera sous Koundou, mais il n'était pas très dur, il était modéré. Voilà, Moussa Traoré, c'est l'histoire là. C'est vrai que Moussa, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Hein? Mais
dans le CMLN, branché dur, qui symbolisait la peur et la crainte, ni moi, je me souviens qu'on se met, ou de faire la fin à blague. Ou bien, tu vois, on parle, allez, qui se m'en doucera, allez, carré, d'amélité. Donc, Moussa, il est, ma foi, je me souviens, parce que Moussa, il est, il y avait deux branches. Donc, un serpent à deux têtes. Donc, quelque part, il fallait faire le choix. Quand vous Moussa, il y a quelqu'un, il y a un manier, moi, je ne suis pas là pour dire ça. Je suis en train d'expliquer les faits. Donc, Moussa, parce qu'il y avait la crise économique, donc il a voulu changer les choses. Il voulait redorer son blason à travers l'international, sur le plan international. Donc, la raison pour laquelle il y a eu l'élection organisée. Parce qu'à l'époque, Moussa Traoré, élection organisée, 1978. Afrique, avec l'Afrique, c'était ça dit élection de façade de Kouno quoi. C'était quelque part pour que la légitimité au diga pouvoir ma légitimité je ne sais pas comment je vais appeler ça en bamara ça dit que quand c'est que valeur de diga valeur d'ama voilà quand il a qu'à faire une époque ébéano c'est que jamana donne tirana aïe voilà donc Moussa est nous bien pour essayer mécontentement même les populations qu'on a là parce que Moro me fera ça dit que Moro est agressé Moro est mené arbitrairement warte jamana qu'on a là. Et mon damaron de Fana Boulou, mon terrorisé le nom, parce que c'était la dictature. Donc, quelque part, pour que Gaïra, qu'on fait mon rôle, Francie, à la communauté internationale, à les Maléons, il y a, qu'il faut qu'on nous, lui ou Moussa, n'a pas de corruption, mais avec le gouvernement qu'on a là. Allez, t'as dit, ma rôle de l'eau, de haut, ma m'flé, nous, ben, on est en 78. D'accord. Donc, après, à l'élection organisée, maintenant, l'élection est une comédie d'ouvrir. Candidat, 99,8%. Donc, candidat, quel est le nom de candidat? Bon, tu as nommé le gouvernement média très très associé. Allez, le gouvernement média, on va vous donner, c'est le 99%. Ah, tiens là. Abigail. Donc, Moussa Traoré, ok. Donc, après, il y a eu le tour à la vie constitutionnelle. La constitution a voté. C'est Moussa qui est amené. La constitution ne suis pas là. La constitution courant. Au coffre, il faut que les gens sachent que le Mali traversait une période très difficile. Sécheresse, mais Afrique, nous sommes déjà sans nous tenir à Ouati. Sans nous tenir à Ouati, jamais ça va nous faire un message. Je fais un message. Ça. Il m'a joué, Benoît, il m'a commencé à ta conscience. Il écoutait bien sur exactement. Voilà, par un message, c'est l'intimé. Donc c'était très difficile. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, Moussa Traoré, journaliste de Agnès. Comment Moussa, qu'est-ce qui va se passer? Il va vision pour Aïmoui. Entre le totalitarisme et le libéralisme, nous pensons qu'il y a un juste milieu. Qu'au Mali, nous considérons que nous ne devons pas être des suiveurs. Mais d'abord, il faut bon. Totalitarisme est mouru. Totalitarisme. Hitler a fait un peu de temps. Staline, il Russie, l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Le totalitarisme. Bon, le libéralisme complet. Ouais, Francie, Amérique, nous sommes tous là. Il faut que je me dise que je suis là. Tja, démocratie. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, Moussa Traoré, quand il y a un peu de temps, il n'y a pas de temps. Il y a un totalitarisme, c'est-à-dire que fin de l'État, l'État est fin de contrôler. Quand il y a un libéralisme, nous avons une démocratie, libéralisme, la liberté, nous avons une liberté. Quand il y a un juste milieu. Donc, il faut faire. Allez être démocratie ou allez être dictateur final. Allez être diamantier là. Comme allez manger tout, comme amanga qui suivrait. Amanga tout mauvais. Amanga tout mauvais. À haut discours de 1978. Donc après ça, à réformer. Parce que usine qui m'a mis mal la mouro qui était là, usine monte non. C'était des usines qui étaient improductives. Mouro, ça veut dire que c'était des usines déficitaires. Où mène la fadon? Non, déficitaire au corail mouille. Ça veut dire que usine te sorokait. C'est-à-dire que l'usine produit à perte. Ah, perte, ça veut dire que l'usine est bénéficiaire. Au tête d'eau, on n'a que ton nom à son nom. L'usine me baraque à perte. Perte. Donc, à l'usine, Bissaba, nous avons besoin de Moussa ou de Bédatou. À peu près une vingtaine d'entreprises déficitaires à Oudatou. Et puis, fonction publique là. Il me fonction publique dans l'Ibé, il me fonction publique là. Donc, Moussa ou Koba. Où était le fonction publique là de concours ni fonds avec. Comme nous, on a réformé. Et après ça, en 1980. Parce que 78-80, sans du rebond, nous étions sans flatter. Sans flatter. Moussa Traoré a pris la tête de la lutte contre la sécheresse. Il y a un fonds de Jack, mais Afrique de l'Ouest, il y a une désert. Parce que Mali est Sahara, à haut tête. Donc, il a commencé à avoir une certaine carrière internationale. Il s'est imposé sur la scène internationale.
Donc, on va continuer. Conflit, tchaman balek, mais à l'époque, il y avait le conflit entre le Sénégal et la Mauritanie. Moussa Traoré Guédo, au médiateur. Il a eu une certaine aura à se faire voir et respecter par ses pairs. Donc, au coffre, il y avait la guerre entre le Tchad et la Libye. Moussa Traoré, médiation, qui est beaucoup plus belle. Ou a-t-il la Tchad ni Libye, Blanagnora? Blanagnora, la guerre tchado-libyenne. En Mauritanie ni Sénégal, guerre, elle n'est née dans la guerre. Quand tu vas au Sénégal, tu sens que entre les Mauritaniens et les Sénégalais, il y a une vieille histoire. Passez vous manger parce que vous êtes là. Donc, Moussa Traoré, médiation qui s'est imposée sur la scène internationale. D'accord. En 1982, ça n'allait pas du tout. Qu'est-ce que Moussa Traoré a fait? Il a fait appel au FMI. Parce que Fonds monétaire international, ni Oulué, Touabouga, Djegoul Baouye, Moumbe, Demet, Taka, Lassé, Djamanaouma, ni Oulé. Bon, mais FMI a été détenu. FMI a dit, bon, ok. Mais Djouroudou est là, bien accompagné, mais il faut faire des réformes. Il faut des mesures draconiennes. Draconiennes. Donc, Moussa Traoré, il a accepté. Au lieu de vous, Mali, c'est que nous avons Et voilà, madame Lagna, il faut que Mali soit CFA. Il faut. Il faut que le Mali est retourné dans la zone CFA. Parce que Moussa Traoré continue à mourir au café. Donc, lorsque le Mali est retourné dans la zone CFA, qu'il avait quitté depuis 1962, donc. C'était bon, quelle année? Ça, c'était en 1982. 82. Donc, 62, 82, ça fait combien? 20 ans. 20 ans. Le Mali est revenu dans la zone CFA en 1982. Donc, après ça, les chefs d'État ont commencé à avoir confiance à Moussa Traoré. En 1988, Moussa Traoré était à Oya Niemoy. Oya, on est l'ancienne Union africaine. Donc, Moussa Traoré au Niemoy. Donc, tu vois que quelque part. Et l'organisation Union africaine. De l'Union africaine. Il a joué quand même de grands rôles sur la scène internationale. Oui. Bon, Tchorno, Amnani Moussa Bion, oui. Parce qu'il y a 23 ans de règne. Donc c'est toujours bien de revoir son histoire. Parce qu'on dit que l'histoire, elle est pédagogique. L'histoire, parce qu'on permet de dire il y a quelque chose que je dois expliquer aussi aux gens. Dans les années 89-90, il y a ce qu'on appelait le vent de la démocratie après la chute du mur de Berlin. Au Komunkera, Europe Djamana, enfin Afrique, il y a eu des répercussions. Mur de Berlin, tu dois aider. Deuxième guerre mondiale, Bané, oui, Allemagne, capitale, moi, Berlin, Kachifla. Allemagne de l'Est. Soviétique, nous, bloc communiste, Roubekirina, bloc capitaliste, Amérique, Angleterre, France. Canada où nous écoutons d'oeil. Donc, 89, au mur tira avec l'éclatement de l'Union soviétique. Russie, nana, Tchamana fait mieux, Russie, à Maracona, à l'époque, des pays de l'Est, où Beouga y a Mahoronata. Donc, au Calais, on va dire que quelque part, ça, c'était une victoire des démocrates, des pays qui ont choisi le libéralisme. États-Unis, allez le Bouga y a Mouala. Parce que l'Amérique debout fait chapeauter. Il y avait la guerre froide de l'Orédé. Américains contre les Soviétiques. Oh, donc, au Calais, Mali est John et la colonie couronne. France. Oh, donc, François Mitterrand a un discours en 1990, notre discours qui era Bretagne, France et région de l'Orient. Discours de la Pôle. Mais ma discours qui rapidement. François Mitterrand a un président africain. Dans les premiers, Francis président. Francis président. Voilà, parce que ça, nous sommes dans le monde. Exactement. Ou à Tchassouan Gadoron. Mais tu vois, c'est François Mitterrand qui a dit que. Eh, ils ont envoyé des gens. Ils ont envoyé des gens. C'est vrai, parce que François Mitterrand. C'était de 81 à 95. Voilà, en Bangada, ils sont en là. Donc, on a donné le droit. Il faudra que je me dise. D'accord. Donc, François Mitterrand est bon et Jacques Chirac. Donc, Mitterrand est Afrique présent. Parce qu'il y avait le sommet France-Afrique. À Moumouille, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps. Mais, présent africain, où le monde déplacé quand tu as Francie, quand tu as Niema fait. Où il y a tout à fait Niema. Niema, oui. Niema, oui, Francie présent. Kosovo. Oh, donc, je profite en parenthèse. Thomas Sankara tara dollar les gars mangent chiola. Donc ben je pense que moi tu vas me voir mieux cette histoire là. Mitterrand Thomas Sankara qui est au dollar mais n'a pas fait. Donc Mitterrand quoi président africain madame Moussa Traoré c'est les deux. Discours de la boule là en 1990, un an avant le coup d'état. Aïe mon fou.
Alors, il y aura de l'aide normale à l'égard des pays d'Afrique. Mm-hmm. Il y aura de l'aide normale à l'égard des pays d'Afrique parce que le Mali était asphyxié économiquement. Il y a un Moussa Traoré appelé que FMI. Quoi faire, il y a une France, il faut faire. France, commencer à Mali demain. Donc, quand France est demain, il faut faire un Mali. Quand on veut continuer au fait, quand on a, il y a toujours un mais. Quand on a, on va sur le bloc soviétique, tira. Donc, le capitalisme gagne à Fanga Boulawa. Où nous faisons un courant d'idées, où nous avons démocratie, yétougo, où nous avons système de gouvernance, où nous faisons un tableau, où nous avons terminé, sera mon cas, où nous faisons imposer l'Afrique, quand vous avez une démocratie dans la Hanga Djamana. Parce que où nous avons une vision. Alors, il est évident que cette aide, déjà traditionnelle et ancienne, sera plus tiède en face des régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie. Quand le Français a fait le Farafi, il a fait le Farafi. Quand a demain, il a fait le Farafi. Il a fait le Farafi. Il a démocratie. Nous a fait multipartisme créé. Multipartisme, tu devrais dire, le parti créé, un partisme qu'on a. Dictature, liberté d'opinion, liberté de culture, liberté de la presse, c'est-à-dire que quand on a une démocratie en même temps, quand on a une démocratie, on a une démocratie, quand France garde des mains, on peut d'autres qui ont été. Tchorn, coup d'état, en 90, qu'on a l'Afrique. 91, 92, 13, 14, 15, 16. C'est comme si le président a fait l'Afrique. Dictateur, il n'y a pas fait. Quand tu as démocratie, indépendance, il faut en avoir blanc. En 90, qu'on a là. N'a pas président, demandons-nous là. Vous faites boigny, à la carina là, allez, ça la fin là. N'abora ou président d'abord à Abdou Diouf, président balé de Beno, van de démocratie et mou balé. Moubou tout ce que c'est Moussa Traoré. Ça c'est Congo et Kinshasa. Congo président Koro. Oulou Bola, et Moussa Traoré Bola, Oulou nous n'en a jamais. Donc, Mitterra Kélingan Fo, Moussa Traoré Go, non, cognette, qu'elle est Tarabo Fangala, elle est Tarabo Fangala Chine. Il faut que je me dise 78, 79, 1988, 89 là, Kanabla, faut 90 là, ni wati bela, ça a été des périodes troubles. Il n'a faut mangan ou chichi là. Mangan d'obéchi, et régime me wouludron, ou pas mangan coupé. Mourobesing. Ça veut dire qu'il y a eu des tentatives de soulèvement depuis très longtemps. Quand nous avons fait en 68, Katabla 74 là, sans waro. Juste quelques années après, Mouro commencera à soulever Moussakama. Parce qu'il voyait que allez vous regardez dans les éléments mieux mûrés que t'as fait un coffre à ma seconde année. D'accord. Donc le système n'était pas n'a pas évolué et les gens ont continué de souffrir davantage. Donc le soulèvement d'Obeke a clairé dit avec qui avait dit qu'en avril 77 78 nous n'y avons non moro pour moro on se marque salut nous que corruption ne font chara aïe officier d'homme nous bombarde la boule à tata ou demi. Non au père coffre mouvement on chara il y avait des mouvements associatifs parce que parti voilà comme tu quel est le dame de donc, où est-ce que le dame de la on a concentré ça en 1990 pour que le dame de la Moussa a clé à Niama Kosobe, ou dictature, ou ma chamassara, ou ma litre, ou dingela, ou son vanne démocratie, ou souffler Afrique fanbeka, ou Moussa a fait. Faut qu'on ait mal là. Faut qu'on ait mal là. Donc, on va venir à l'époque de 1994. Maître Demba Diallo
ala ka hinɛ a la. Nemina avocat malien, i yɛrɛ taara maître Drissa Traoré fɛ ni ale kɛra Mali bâtonnier fɔlɔ ye. Kosɛbɛ. Il était ancien ministre de la justice Musa Traoré. Donc maître Drissa Traoré ni maître Demadjalo ninnu, e taara reportage kɛ don min na maître Drissa fɛ a ye mun f'i ye? A ma fɔ k'olu taara ka taa lettre de Musa ma. A ko ten. Ko Musa ko je ne démissionnerai pas. Mon gouvernement ne démissionnera pas. K'a ko ten. K'a ko ten. Donc ATT ye mun de fɔ? ATT ko ko n'i y'a ye ko olu ye Musa minɛ, o y'a ɲininka ko yali ka ayi ko à l'époque ko olu servi mun de la, ko yali u ka idéal tun ye mun ye wa? ATT ko ko mais ko Thomas Sankara Burkina olu ye coup d'état kɛ, dɔw bɛ se ka fɔ ko coup d'état dɔw b'a fɔ ko soulèvement populaire en 1984-87 Thomas ka fanga ou bien 83 ko Thomas Sankara tun ye exemple de olu bolo, ko parce que k'u bɛɛ ye génération d'officier. ATT y'o de fɔ k'olu ni Sankara ninnu ko c'était la même génération d'officier. Ko ka bɔ Sankara kan ka taa Ghana avec Jerry Rawlings parce que mɔgɔ caman Rawlings tɔgɔ mɛn. A balola halisa. Donc ko Rawlings ni Sankara ninnu kɛra inspiration de olu ma, ko parce que ko olu tun tɛ fɛ u ka jamana ka continuer ka to dingɛ kɔnɔ tan. Ko il voulait assainir le pays ka jamana jɛya ka nɔgɔ bɔ a la. En même temps ko avoir à la tête de leur pays des responsables compétents et honnêtes. Donc il y a ATT ka kuma kan. Donc pour te dire que nin ko ninnu hali sɔrɔsi minnu y'a ko kɛ a kun b'u hakili la depuis les années 80 mais u tun ma se ka ɲɛ de sɔrɔ. Tu comprends? Donc août 1990 cɔrɔnɔ mouvement de contestation Mamoun wulila ka Musa Fanga kɛlɛ août 1990 a commencera ka généraliser jamana kɔnɔna la. Il y avait des dizaines d'usines, mɔgɔw bɛ taa ka taa ka taa usine jɛnɛ, usine enflammée effectivement. O kɔfɛ trésor public Mali yɛrɛ fɛ wari bon u bɛ taa ka taa ka taa piller service impôt service douane a bɛ taa ka taa ka saccager. Le pays était à terre, il y avait presque plus d'état. Donc ATT ko ko a wagati ko garde républicaine gendarmerie nationale police nationale armée de terre commando parachutiste ko ils ont accordé leur violon. C'est-à-dire que vous faites la nuance, hein? Voilà ça qu'il faut que Mali ait un tableau, hein? Sur le sujet qui s'est dit Maoula, il faut qu'il y ait janvier 91, février 91, il faut qu'il y ait mars 1991, qu'il fallait mettre fin au régime autocratique de Moussa Traoré. Parce que mars s'est attaché. Mars s'est attaché. Parce que lui, il y a un mot qui s'est attaché. Contestation, il y a un mot. Il y a un mot qui s'est manifesté. Association, il y a un mot qui s'est parti. Vous avez non? Ali Faransi, ambassade là, Mali ambassade Faransi, mourra pour qu'à manifester. Que ce soit les séries de façon Iriwaton, ou bien l'association Adema à l'époque, ou bien pour qu'à manifester. Ani Djokoucha, ma syndicat au Bala, ou la bourse de travail, mourra la bourse de travail, mouyeta. Ni aïe, ma chama, maoubou, que la bourse de travail. Bourse de travail, flé, histoire corbarole. Maître Dema Djaloko, qu'on loupe menuons sur bourse de travail de là, qu'on a réunion qu'elle n'a, voilà ça, la boque a marché, qu'à Moussa a fait dénoncer. Donc bourse de travail, la bourse de travail représente quelque part quelque chose de symbolique pour les luttes au Mali. Oui. Allez, anti abana ou anti akibara, on me nyonge sur la pyramide du souvenir là, mais en même temps on me nyonge sur la bourse de travail là. Allez, il regarde la tarala là, moi ben me nyonge sur la bourse de travail. Bourse de travail, la chamangira akii. Kosobe. Donc au confesseur en tournoi, maître de Madjalo ko, qu'on y a eu le 26 mars 1991, qu'ATT Mulila ana a camarade ka Moussa ka fanga taraki ka mena la ko parce que il y avait eu plus de 100 morts ma keme bonyo ko sura sube bo kube ko ni mo bo ko be manifester ko sura sube na ka kisechi et tu jamo be kisechi dem sa mona. Donc be ba do ka foko la femme représente la maternité en Afrique ni muso to na ko mona il ba foko ah chere la ika na ko la jeni basiki. Donc muso di wulla ka foko ko kisechi dem ka rajinu na ko ti jeni na on sera souillé tabouli sauf finalement donc quoi gérer donc quoi gérer maître de Madjalo ko ko ATT aller voler chauffer la nuit du lundi au mardi kulu mo wadama ron maka ko ATT ko aller manga che ko Moussa Traoré maître de Madjalo ko ko marou de ko Moussa Traoré s'apprêtait à aller bombarder la bourse de travail. Donc ko ATT ko noko yandi akata bourse de travail bombarder amé wula meta ma fo ka. Donc ATT Boko et Dana Daliga parce que le commandant des commandos parachutistes. Nous et Bérou aujourd'hui. Donc Burus, autre Moussa la garde corée. Donc oui, Burus, il y a les mandatés. Le corps de Franjouma, ATT, il était lieutenant colonel à l'époque.
kafanya na kaka ta agaye le sanfe kuba wasoro Musa na gouvernement yereuni le no pale konna la donc kuna na dron à l'époque atete kunta le Musa tawe ga biro donc ou ya fo bus de nyana ko où se trouve le président ko bus blanc nyama atara kale na dron kale ko il devait différence et respect ko ba dale ko de na kulele Musa e général kale ko monsieur le président ah bunya quoi parce qu'il a supérieur do désormais considérez-vous comme étant arrêté. Comme ça, tu as dit que 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 tu as dit Allahu Akbar. Que tu as dit 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 que tu wole ke musa wo ke atete ka pro kana la avant que wo musa tra wole defere ka tarai ka so mala na chorno mars 91 amano wade amano ko ya mamu nuzara la mam profiter ka duoku pe ala ka hine upela se de martir ko so be wili la mumbato be je fanga be se ka do jamana ngona ngana ngina ko exact mbal mo do an sidu do u yan ko kitimu na ala ka no ya uyi na yari musa ka mine rapidement France Inter m'envoie Moussa interviewer quelques jours avant le coup d'état. Comment quand Forkibi a quitté Chimola, il y a à peu près une centaine de membres opposition de Forkibi a quitté Chimola, association des syndicats. Moussa Gogo c'est faux. Quoi membre de Fota, quoi c'est du théâtre. Quoi Moussa Hakem Sara, quatre de mes membres m'ont envoyé un flag. Quoi Wako Ulu Sara, quatre de leurs connards là, quoi on y fait mal et on y est là. Quoi parce que quoi manifestant au mega ou clé sur la sous marie pour sous, kata katou agressé. Donc, au Rwanda, les policiers ont riposté, qu'ils tirent, qu'ils tirent qu'on a là, qu'on a fait là. Et puis au Congo, venez, nous avons quoi? Où y est tiré mon dos malicou? Car à tiré milliards d'années, qu'on est arrêté malic, administration s'engager, car les voiles étaient tirées pour lui. Comme nous avons vu, que mes nuques sont là, que ce n'est pas du tout vrai. D'accord. Donc, on y va. Eric, en tant que moi, maintenant, et c'est comme vous croyez là-bas, non? Et ça dit que boulot, nous avons ni argent ni copé. On y a mes coups, mon Kerala, comme Jumon Kerala. Fanga yire bike o chugala ko betse ka nyembo bolo so o ebse ka mungo o korofola ka kuma kunche chorno rapidement il faut noter que le 26 mars 1991 mali ka so machira maro mo chama mora kala ma so be il y a eu plus d'un millier de prisonniers qui s'est évadé 1460 gardo ye qui s'est tiré prisonnier mukala donc si on prend en compte ces 20 prisonniers non on a fa bon martyrs tra éclé mais ce sont des morts qui ont été occasionnés lors de la révolution du 26 mars 1991. Donc il y a eu à peu près presque 200 morts. Moussa ka procès là, procès qui era en deux temps. Temps fort là, crime de sang. L'avocat est du bon où Moussa poursuivi un chef militaire d'or à un régime ministre d'or. Au coffret, il a été condamné à la peine de mort. Mais comme peine de mort était appliquée à l'époque Mali là, Alpha Réco, Alpha Masso a appliqué. Où il y a la peine de mort qui a commis droit là où il y a commis qui a été prison à vie. Mais sans doute, au confet 1997, Alpha Omar Koundané a gracié Moussa Traoré. Quel est 1999, procès crime économique au Daire Moussa Kam. Dans Moussa Kam procès là, Moussa Kou, il est, c'est important mais à Fomouna parce que c'est un défunt, c'est l'ancien président du Mali. Il faut que toujours Nibé Kouma, il y a version flafon. Moussa Kou sur la souille qui s'est manifestant. Kou, c'est un fond. Qu'on a comme juge gardon à la procédure, qu'on juge gardon à fort, qu'on a fort à l'égard de responsabilité morale. Responsabilité morale. Faut que mon gars famille. C'est-à-dire que n'a fort à l'égard de président à Ouati, à l'égard de son âme. Mais quand faut qu'elle ait des ordres du sorciment, quand faut qu'on a qui s'est dit, quand on a qu'elle est bouquée. Et maître Magatse, n'a fort libéré, avocat Bado, Moussa Traoré, avocat Bado. D'accord. Magatse a interviewé le grand accord, qu'on a des témoins, chaman Bari Barla. Qui est témoin, est-ce qu'il y a un témoin qui a travaillé, qui s'est ordre de Aouma, qui a été manifestant? Qui est témoin, quel est ma soeur? Salgono, il y a un fort que Moussa ait ordre de Aouma. Qui est témoin, ma soeur? Vous pouvez mettre Magatse, vous pouvez mettre Magatse, vous pouvez mettre Moussa pour aller là. Magatse, vous pouvez mettre Magatse, vous pouvez mettre Magatse, influencer Malika, vous pouvez mettre Magatse, vous pouvez mettre Magatse. Qui est ONG Robino, qui a fait Liberté France, Fondation, qui est France, qui est comme Malila à l'époque. Beaucoup de gens voulaient que Moussa soit condamné parce qu'il y a un fanga menace, un dictature. Kungako, juridiquement, quoi, il n'est pas prouvé que Moussa a tenu le droit de tirer. Quel est le procès économique là? Pourquoi Moussa n'a pas mort? Ils ont détourné 1200 et quelques milliards. Bon, Mali, le gouvernement est expert. Quand il y a des années,
des mille et quelques milliards de francs CFA en train de les sortir. Combien de milliards? 3 milliards ou 4 milliards. Finalement, on en a dit qu'on a la somme. Finalement, 2 millions de dollars en tout. Qu'on compte bloquer nos Suisses. Effectivement, compte donc nos Suisses. La Suisse a reversé cet argent au Mali plusieurs années après. Mais, Moussa a continué de terrain. Moussa a fait la Mado, mais non, vous avez continué. L'histoire est faite de sorte qu'il faut placer les choses à leur place. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il fallait que je le dise toi. Moi, je ne suis pas là pour innocenter Moussa. Il a été condamné crime économique là. Il a été condamné crime de sang là. Na, Moussa est avocat. Jacques Vergès, allez, avocat français. Il est décédé. L'avocat des causes impossibles. Allié Djinedi, Nibogali Gati, Moussa Traoré a été condamné pour des raisons politiques. Parce que la France avait intérêt à ce que Moussa Traoré soit condamné. L'ONG, la Fondation Liberté France, avait intérêt à ce que Moussa soit condamné. Que l'opinion malienne à l'époque voulait que Moussa soit condamné. Pour les juges, pour les sanctions, pour les Moussa, 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 pour les Donc, politiquement, il devait être condamné. Comme juridiquement, il ne peut pas prouver grand-chose. Bon, l'histoire le dira. Les historiens sont là. Vous venez chercher sous que ils vont continuer à nous relater les faits jusqu'à ce que vous voulez. Tiens là, Yusuf Mangara, il faut qu'il y ait un peu de temps. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Aka fanga boshira la chuko muna umadu wa malidin shila okera kata banani ye jamana yin kono. Musa ka fanga bane kwa fe kuchama were kera malikono aire nyena. Al kosa ina aba kalama ibeka ka fanga kona nana. Fanga gelale M5RFP mgo uni jamana nye mgoche. Uyulika joke ninga seka si Musa Traoré dima. Musa Traoré kwa kuma kono kale kwa ninga lanyini unye. Ale tifenga fatuka malitu nzirenga. Aleka lafye mwenye. Aleka boye jamana yin kono kasoro malijara. Kasoro benana jamana kono kusabula kambe sinji ambe bifala ambe bipala. Wa kadale uka bekelema mamud digo kumi keneka shugel kokala maiga kumbe umunye Moussa Traoré rek kanuba belebele ane ka fara Ibrahim Boubacar Keïta rek anu oye Mali président koro fana ye donc ibeka koni o kera watila ala watu mame o ibeka ka fana na ba o chukala ka Moussa Traoré to balola o bekera nyina o mamune coup d'état ke munye fanga poche ala ni oye comité national pour le salut du peuple ni o nyema ya dime colonel Assimi Goïta ma o fana ni président l'ancien président du Mali ni Moussa Traoré ñoñi do ko tumene ala mame ay la dilkan chama vuyé ka ñashi malikula kuku akrito jamana ina o jaja mogobu tala ala fana bu tala Moussa Traoré ala ko nyaga kalfa minala bi Youssouf Mangara len nana ka choisi mumba to ka seka damaga aka ko tumene o fukana bla fanga minena na wati munna donc on va fo alibi ala ka hine Moussa Traoré la ala ka dawra ne ma amunu fana bi jena ala ka laba ko nyuma di ambe kengle na ma ambe ka nga keta u jatim ne jien ko no sabula saya aba ambe kengle na no fe mo mo kinana jena don la bita o ko ni krofo fo itula ami do de ke ami ta watim ne o ka soro ami sra nyuma ka o ka soro ay ku nyuma un chaya ay re krefe krefe na wala ama du ko no na nga jamana ko no uri kai donc on va fo awiye mali ala ka suma ala ka jamana tanye aw balmake an aw dinga do chorno jo vertu media la ama fo awiye ala ka du manje merci à toutes et à tous. Bonjour Tchabo. Ah, Asso, bonjour. Émission R-Sera. Eh, R-Sera, quelle est? Ah, n'est-ce pas? Fembe Labena. Ah, Fembe Labena. Il y a une lumière, c'est qui c'est? Lumière, c'est. Et le micro? Micro, c'est. D'accord. Invitez-vous, nous, un briefing. Ah, ouais, un briefing. Très bien. Mais il y a un téléphone pour que vous puissiez vous faire un briefing. Ou bien la 5. Ok, donc on attend ici. Maliens, assalamu alaikum. Bien folie, bla, jamanadin, kenegelina, ben, malien, tchamani, moussouma, demseni, animo, koroba. Au dinga do chorno jenga fuli bibla au ye kafo bi emission chorno decrypt la no funi munu nu be ngulo oyé sujet et c'est venir te ka couper ah c'est venir te ka fam ya ni mon papi asu ah asu ni mon papi c'est venir te ka fam ya okuma ina na papier na skuj mende ni wa wani fil la papier la de wi ni fra bulo papier be ekeli ni papier be kon tikel e maga double a ya ay ni maga double a ni jo meta double a kle imprimer kana wi ok d'accord
Voilà, Asu, nous avons un coup de pied. Nous avons un double A. Nous avons un double A. Nous double A. Nous avons un 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 double A. Double A. Papier katabana ni koni hon ni ale de bi akli to la yame voilà merci OK d'accord donc on commence malien au salam alaykoum mi malien be foka be wala ni mando tukuni ka akete ni ke au fe ka fo aka emission ku jura ka sababu ke de ku vitini noy donc amba fo au ye ni watina sujet mon ni bambou